Aujourd'hui, je vous parlerai du pacte d'actionnaire. Qu'est-ce qu'est le pacte d'actionnaire en droit de société OATA? Il faut savoir que le pacte d'actionnaire est une convention propre à des associés pour la gestion de l'entreprise. Et le pacte d'actionnaire n'est pas le statut, il faut le savoir. Mais l'OATA pose des principes pour que le pacte d'actionnaire soit valable. Premièrement, vous devez savoir que le pacte d'actionnaire, pour qu'il soit valable, il doit respecter les règles par rapport à la constitution, au fonctionnement et à la dissolution de la société, la première des choses. Et deuxièmement, il doit respecter les stipulations préalables du statut, d'où le pacte, pour qu'il soit valable, il ne doit pas être contraire au statut de la dite société. Et troisièmement, le pacte doit être pris dans l'intérêt social. Et nous ne devons pas avoir de pacte qui ne privilège pas l'intérêt social, donc l'intérêt de la société. Et ce genre de pacte est exclu et nul en droit commercial, en droit de société, OATA. Donc c'est une matière très importante. Je crois que ce sont des matières très primordiales que chaque juriste d'affaires doit retenir. Le pacte d'action.